ça va, on vient, on arrive. Bonsoir, il fallait oser marier le chamamé des Indiens Guarani d'Argentine aux musettes de nos bals populaires. Raoul Barbosa et Francis Varis l'ont fait avec leurs deux accordéons et les percussions de Zé Luis Nascimento pour soutenir l'édifice d'un chamamé musette discographique parfaitement réussi. Petit, le pianiste Ferenc Vizi s'était vu refuser le droit d'étudier le piano dans sa Roumanie natale et avait dû se consoler avec l'accordéon, justement, instrument qui lui permit de gagner ses galons de musicien et finalement celui de changer d'instrument. À jamais attaché cependant aux musiques traditionnelles d'Europe centrale, Ferenc Vizi a accepté d'être le compagnon de route de la jeune violoncelliste Hermine Orio pour le programme de son premier disque entre Forêt de Bohème et Paradis perdu, avec comme pièce maîtresse la sonate de Frédéric Chopin. Chopin qui inspira tant Alexandre Scriabine, sans l'empêcher cependant de se forger un style très personnel, voire singulier. François Chaplin a enregistré il y a quelques années l'intégrale des Mazurkas de Scriabine, admirable intégrale d'ailleurs, qui ressort aujourd'hui. François Chaplin est ce soir notre invité pour nous en parler et évidemment pour nous faire découvrir cette musique. Puisque François Chaplin est parmi nous et qu'il nous offre tout de suite trois mazurkas de Scriabine, opus 3 et opus 25.
François Chaplin, nous allons entendre trois mazurkas d'Alexandre Scriabine. Alors, deux pièces de l'opus 3, donc Scriabine a 17-18 ans à l'époque, et puis 10 ans plus tard, la première des mazurkas de l'opus 25. Alors, c'est très étonnant, je trouve, parce que c'est presque l'histoire musicale et l'histoire psychologique de Scriabine en condensé que vous venez nous raconter, enfin un petit bout de son histoire. C'est-à-dire que la première mazurka, c'est quasiment du Frédéric Chopin, enfin on pourrait presque s'y tromper. La deuxième, il y a une espèce de questionnement permanent, c'est étonnant, on a l'impression qu'il y a des points d'interrogation partout dans cette partition. Oui, c'est vrai que c'est deux mondes un peu différents, et autant la première période est, c'est vrai, très, très, très chopinienne, et je pense que c'est pas vraiment une légende, hein. Il dormait, il paraît qu'il avait une partition sous son oreiller, enfin, en tout cas il vénérait l'œuvre de Chopin. Vous avez une partition de Chopin sous votre oreiller, Giovanni Mirabassi ? Non. Désolé, je risque de vous décevoir. Non. Non, mais le bruit courait, donc c'était juste pour ça. C'était juste pour savoir. Pardon, François. Non, et bon, voilà, c'est vrai que c'est un compositeur que j'aime beaucoup, qui est un petit peu boudé en France, contrairement à... Oh, si, c'est tout dit, il est assez boudé. Parce que c'est vrai que c'est un compositeur peut-être beaucoup moins accessible, c'est vrai que Rachmaninoff, hein, c'est certain, puisque c'est vrai qu'il est, voilà, les harmonies sont, autant les premières mazurkas sont très accessibles, mais ensuite c'est avec des harmonies un peu plus audacieuses et peut-être qui les range un tout petit peu plus, mais c'est vraiment un compositeur extraordinaire. On dit que c'est le poète de l'extase, hein, et c'est vrai qu'en Russie, moi j'ai découvert en fait la partition il y a une quinzaine d'années. Vous l'avez enregistré à peu près, hein, parce que ce disque en fait n'est pas une nouveauté, si vous l'avez enregistré. C'est pas une nouveauté, non. Sauf en fait, deux études que vous aviez à l'achat du programme. Voilà, que j'ai rajouté, en fait, qui sont à peu près de la même période. Voilà, moi, c'est vrai que j'ai découvert Scriabine au cours d'un voyage en Russie, au cours d'une tournée, et je suis tombé sur ce recueil. Et j'ai eu vraiment j'ai eu un coup de foudre, et j'ai eu envie vraiment de les enregistrer. Il en a écrit une petite vingtaine, hein, je crois. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est vrai que c'est une forme très particulière, la mazurka. Il y a peu de compositeurs d'ailleurs qui ont composé des mazurkas, oui, par Scriabine. Oui, certains se sont essayés. Bon, même Debussy en a fait une. Bon, elle est un peu ratée d'ailleurs. C'est pas ce qu'il y a de mieux dans son intégrale. Non, c'est difficile, les mazurkas, parce qu'il faut trouver, il y a un juste rubato à trouver, un juste phrasé. C'est pour ça que les mazurkas de Chopin sont si difficiles aussi à interpréter. Alors, c'est vrai que nous avons dans la troisième qu'on a entendu, donc qui est plus tardive, hein, il a 27-28 ans, oui. Il a grandi, Scriabine. Oui. Il y a ce côté... très libre, très improvisé, enfin en tout cas ce sentiment. Ce sentiment improvisé, et en tout cas déjà il y a cette recherche, j'allais dire oui, assez mystique en fait. Il a toujours recherché, Scriabine, c'est une recherche spirituelle dans sa vie, et c'est ce qui en fait sa musique d'ailleurs, c'est une musique très mystérieuse. Hein. C'est un compositeur qui inspire certains pianistes de jazz, Giovanni Mirabassi. Yaron Herman, par exemple, je sais, adore Scriabine, c'est votre cas ? Ah oui, j'adore Scriabine, d'ailleurs, les disques où il y a du Scriabine, surtout ce genre d'œuvre dont on ne trouve pas non plus beaucoup de versions, bien que, bah, il est quand même remarquable. Et comment ? D'autant que ce qui est génial chez Scriabine, c'est le côté polyphonique. En fait, le nerf de la guerre du piano, c'est la polyphonie. Ah bon, sans blague. Non, parce que tout le monde, on a tendance à penser qu'en plus, même le côté difficile de l'instrument, c'est de faire des grandes arpèges, des choses rapides, etc. Ou de jouer fort. Mais non, la grandeur de l'instrument, c'est son côté orchestral. Et ça, c'est du bonheur. Oui, c'est énorme. Et les mazurkas de Chopin, d'ailleurs, sont aussi très polyphoniques. Hein. Oui. Je rappelle donc la réédition, François Chaplin, de votre intégrale des mazurkas de Scriabine, à laquelle vous avez ajouté deux études. Vous serez le 27 janvier à Saint-Cloud avec Didier Sandre. Et le 9 mars, je le signale parce que c'est un concert particulier pour vous, vous serez au Théâtre de l'Athénée à Paris pour une soirée Schubert consacrée aux impromptus. Mais j'espère que vous nous ferez l'amitié de revenir à ce moment, parce que c'est tout un autre monde qu'on a envie d'explorer avec vous.